Bah, tu sais, quand tu. Bah, pardon, quand, vous savez, quand vous menez 1-0 comme ça, jusqu'à la 86e, 87e, on ne peut pas dire qu'on a été vraiment été mis en difficulté. Il y a une situation dangereuse et donc c'est tout, on prend en deuxième mi-temps. Première mi-temps, il y a aussi un petit cafouillage. Bon, on ne peut pas dire que nous, on a eu de nombreuses occasions aussi, on a eu des situations, de belles situations même, je dirais. Et puis bon, bah, ce pénalty eh ben, nous délivre quand même à la 80e et il nous permet de, bon, de mener. Après, c'est sûr qu'on n'est pas attentif parce qu'on ne se replace pas assez vite sur l'action qu'on prend le but. Et puis après, bon, bah, c'est ce centre, il n'y a pas de danger, il n'y a rien du tout. Et on va remettre, on remet en jeu ce ballon et on offre l'égalisation, je dirais bien, on offre l'égalisation à Brest. Ouais. Ouais, même. J'irais que bon. Bon, ça va vite. Hein, je vais pas demander, j'ai rien demandé. Mais bon, il n'a peut-être pas analysé le fait qu'il n'y avait personne dans les cimes. Comme Verdier a été tellement vite sur le côté droit, les autres n'étaient même pas devant les buts. Ils étaient qu'aux 18 mètres. Donc s'il ne touche pas le ballon, ben, le ballon il passe devant, il n'y a même pas de danger, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on se dit là ce soir comme Oh ben. Oh non. Non, pas du tout. De gagner à l'extérieur, si on va y gagner à l'extérieur, ça je me fais pas de soucis. D'ici quand même la fin de saison, on va réussir quelque chose, ça c'est pas un problème pour moi. Mais ce qui est dommage, c'était l'occasion de se mettre une bonne bouée d'oxygène avec ce match, voilà. Et surtout de rattraper une équipe qui était devant nous à 3 points. Paradoxalement, vous ouvrez le score sur la deuxième mi-temps, vous êtes moins performant qu'en première. Vous dominez plus la première, vous subissez plus la seconde, et c'est là que vous ouvrez le score. Ça donne plus de possibilités aussi parce que bon, on est un peu dominé, donc l'adversaire prend des risques aussi. Hein. Grougy est rentré, il a apporté un peu plus de vitesse et il a peut-être un petit peu moins défendu et donc ça permet un petit peu à nos joueurs d'avoir un peu plus de possibilités en contre. Voilà, et c'est pour ça peut-être qu'on marque ce but sur le penalty. C'est dur de remonter, on n'a rien pour soi. Ouais, très souvent, oui. Très souvent, les petits coups du sort ben, se retournent contre toi. Ça te va pas dans. Ça te pousse pas, ça t'enfonce. Donc, ce qui est assez dommage. Bon, maintenant, les résultats de ce soir font que, bon, il y a toujours autant d'équipes qui vont être à la lutte pour se maintenir en Ligue 2. Donc, ce soir, on a pris un bon point à l'extérieur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de points aussi, hein, puisque depuis le match de Metz, on n'avait pas pris de points. Donc là, c'est un troisième, ça nous fait énormément de bien pour le moral. Et puis, ça nous permet d'être ben, très, très solide pour le match de Angers vendredi prochain. Il y a eu des bonnes, des moins bonnes choses, mais je trouve que c'était intéressant parce que, bon, je ne vais pas tout expliquer devant la télévision parce que ça va dans les informations aux autres. Voilà. Mais bon, ça nous a permis d'être peut-être un peu moins dominés. Ben c'est la moi, ce que j'ai dit à mes joueurs, justement, j'avais dit avant le match, moi je compte le match amical qu'on a fait contre le Pontet. On est maintenant, je leur ai dit, on a fait deux matchs, on est invaincu, ça fait le troisième. Donc ça aussi c'est intéressant parce que bon, tu marques quand même des points, tu avances un petit peu. Bon, c'est vrai que ça fait pas beaucoup puisque c'est qu'un point et que tu avais la possibilité d'en prendre trois et de te retrouver à 17. Donc ça aurait été quand même beaucoup plus un soulagement pour nous. Ça veut dire qu'il va falloir se battre encore pendant un certain temps. Bonsoir. Avec ce but sauvé par l'immeuble à la fin du match, mais malgré tout, c'est une séquence ce soir. Oui, ouais, enfin, en tous les cas, c'est pas un bon résultat pour nous. Ça n'est pas un bon résultat. Maintenant, sur la physionomie du match, je pense que le score est logique. Aucune des deux équipes, je pense, ne méritait de l'emporter. Le match nul est. Maintenant, en tous les cas, je peux pas reprocher aux gars
de ne pas avoir fait ce qu'il faut dans l'engagement et dans l'esprit. Voilà, je crois que ils sont même revenus au score. Ça, c'est un point positif. Énormément, ouais. Énormément de déchets techniques. Ouais. Il y a eu trop de déchets techniques dans ce match pour que... De deux côtés, ouais. Vous pouvez aller vers Verdier sur le banc, qui était sur le banc contre Coupe de France, c'était un choix... Ouais, je voulais lui faire la dernière demi-heure. Et quand ça a été payant d'ailleurs, ouais, il est rentré, c'est lui qui centre. C'est lui aussi pour Jonathan qui a été malheureux. C'est bien pour Jonathan qu'il ait. Voilà, c'est bien qu'il ait marqué. Ouais. C'est. Il n'a pas été vraiment petit avant. Il n'a pas été très en réussite, c'est vrai. C'est vrai, si ce but-là peut lui donner un peu plus de confiance, en tous les cas, son abnégation a été récompensée quand même, parce que il n'a pas trop réussi, mais on ne peut pas lui reprocher son l'esprit, quoi. Voilà, il y était. Au-delà de ce cas de l'autre, tu avais fait des choix forts ce soir en mettant le Charbonnet titulaire. Ouais, ouais, ouais. Il a été très bon, Alphonse aussi. Ouais. C'est-à-dire que on se pose aussi la question, c'est pas de savoir comment on va aussi y arriver, c'est aussi de savoir avec qui. Voilà, on va pas l'inventer, quoi. Les matchs, on va pas les inventer, on peut de temps en temps peut-être. Bon, comme ce soir, on réussit un coup, on réussit à revenir au score, mais bon, il faut incontestablement une plus grande maîtrise technique, quoi. Il faut mieux maîtriser techniquement les matchs pour s'imposer ici à domicile. Le déchet, mais aussi au centre, notamment beaucoup de passes en trail. Oui, on a cherché, si tu veux, ouais, à la faire tourner derrière, mais sans créer un décalage, quoi. Ça doit nous servir à trouver après le décalage au milieu ou trouver la passe vers l'avant. Mais celle-là, puis tu peux pas. Voilà, évidemment que les pieds tremblent un peu. On n'est pas assez confortablement installé dans ce championnat pour on cherche beaucoup de passes de sécurité. Notre jeu sans ballon, il est encore trop pauvre. Ouais, mais après, bon, c'est un duel qu'on perd. Il y a pénalty ? Pas du tout. C'est sur la ligne. Ouais, mais nous, on est habitués, ça va. Nous, sur la ligne, c'est pénalty. Hein. Même en dehors, c'est pénalty. Nous, il n'y a pas à chiquer, nous, c'est comme ça. L'autre, là, le dernier, je ne sais plus comment. Ouais. Là, elle était. Mais vraiment en dehors, lui, il a trouvé quand. Ça dépend, la règle c'est peut-être là où le mec tombe, tu sais. Alors quand il tombe dans la surface, il pense que c'est pénalty peut-être. C'est un joli jeu, un joli geste aussi avec deux ballons sur le terrain, c'est sympa aussi. C'est qui a fait ça? J'ai pas, oui j'ai vu, mais j'ai pas, je regardais pas qui l'avait. C'est une belle action aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, on est maintenant habitué des pénaltys. Si c'est sur la ligne ou en dehors, c'est pénalty. Troisième pénalty en trois matchs quand même. Hein. Alors j'espère qu'il se passe pas le mot. Si on peut passer, qu'il se donne le mot, quoi. Si on peut passer à un match sans pénalty, ça nous arrangerait bien. Un mot sur le public aussi, qui est un peu versatile en ce moment. Ben, oui, bien sûr que je peux comprendre que le public soit versatile. Mais voilà, je pense que il peut pas contester ce soir la débauche des jardins de l'équipe. Après, la qualité du jeu et bien sûr, laisse certainement à désirer, mais pour l'instant, on en est aussi à on est à l'arrache, on est dans le dur. Voilà, il faut que les mecs mettent le bleu de chauffe, même si parfois c'est au détriment d'un jeu bien léché. Je comprends, mais
on n'est pas, on n'a pas non plus, c'est difficile pour nous de faire le, difficile pour nous de faire le jeu. Comment? Ouais, on va attendre des jours meilleurs, voilà. Moi non, mais ce qui m'encourage à et je veux y croire quand je vois que les mecs reviennent au score, voilà, qui lâchent pas, qui continuent et qui s'accrochent. Voilà, ils se sont. On va ce soir se. On va pas faire la fine bouche et puis on. On méritait pas autre chose qu'un match nul, même si le match c'était pas un gros match, mais bon, hein, c'était le 15e contre le 16e contre le 18e, quoi. C'est voilà, il y a pas de. Ouais, je suis inquiet pour lui, ouais. C'est inquiétant pour lui, ouais. Au-delà de qu'il nous pénalise parce que il faisait une bonne. Il a fait quand même un bon début de saison. Il semblait s'installer dans cette équipe. Puis il a la grinta. Et puis là maintenant, il a des gros accidents musculaires. Ouais, ça le. C'est un claquage, tu vois. Ouais. Apparemment, à un autre endroit, juste au-dessus de ce qu'il avait. Toujours à piste, de toute façon. Ouais, ça c'est. Bah, c'est surtout c'est pénalisant pour lui, quoi. C'est. Ouais, il a été blessé pendant un bout de temps. Ouais, il a été blessé un bout de temps. Salut les gars, merci.